leur troisième secrète tente également de gagner du terrain. L'entrée de la ligne droite maintenant avec Stella Fett qui a nettement l'avantage. C'est le numéro 11 qui va sauter en tête l'avant-dernière difficulté. En deuxième position, on retrouve Vapalo, Ashtier qui vient de plus en plus fort avec également Irico. Côté Cordard Dayton, on gagne beaucoup de terrain et on tente également de se rapprocher avec des concurrents comme Irico avec la dernière rue et faute et chute d'un concurrent